Il connaissait le musée dont Rice parlait. C'était une forteresse au départ, et Rice en avait fait son plus gros avant-poste dans le secteur 0. Je dois y aller avant que Jack soit blessé. Ou tué. Ou pire encore. Putain, à chaque fois que je me fais dégommer, je repars du péter au schnock, là. Alors. Oh putain. Alors pourquoi j'arrive pas à grimper là-dessus? J'arrive pas à grimper là-dessus moi non? Ah, je comprends rien du tout. Un coup ça monte pas. Si vous ne pouvez pas arriver à la tour, allez directement à l'abri le plus proche et attendez l'aube. Bonne chance. Ah ouais, ça veut dire que la nuit arrive, hein. Mais moi, je suis mal barré, là, hein. Monte là. Là, ça monte pas, on va y aller là-dessus. J'ai là-bas moi. Oh putain, je suis mal barré. On peut pas aller à la nage là par là, non? Oh putain, j'ai sauté. J'ai sauté dans la paille. Ayo au micro, mettez-vous à l'abri. Trouvez un coin tranquille et passez-y la nuit. Faites gaffe et on se retrouve demain. Faites pas là cette entrée, c'est pas possible ça.
Ah, on peut être là. Voilà, ça doit être là. Où je suis là maintenant, je vais où moi par là? Il y a un cul-de-sac là. Deuxième salle. Ouf, je crois que je suis mal barré avec Coco, hein. Là. Troy connaissait le musée dont Rice parlait. C'était une forteresse au départ, et Rice en avait fait son plus gros avant-poste dans le secteur zéro. Je dois y aller avant que Jade soit blessée. Ou tuée. Eh oui, il fait nuit, je suis emmerdé. Mais putain, il faut aussi voir dans le cul d'un... d'un néga-néga. Il y a par là, non? Il y a d'autres par là? Je crois pas. Non, je viens de par là, je crois, moi. Mais oui. Attends, tu vois pas. C'est un peu ric-et-rac, hein. Allez, 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 on avance, on avance, on avance, on avance. C'est un peu juste, hein.
Allez, on monte. Eh ben, m'aura fallu du temps pour arriver jusque-là. Hein. Oh putain, ça rentre. Et là. Voilà. Bon, c'est rien, beaucoup, c'est rien. Casse-moi ça. Je t'écoute. Aïe. J'y suis. C'était la partie la plus facile. Tu t'en rends bien compte. Merci de me remonter le moral, Trail. Je t'en prie. Bonne chance. Même pas si où je vais, c'est bien. C'est ça qui est terrible. Bouche de là-dedans. Alors, allez, on va voir ce que ça donne. Silence, j'ai entendu un truc. Oh, quelle merde! J'ai rien pour leur taper dans le coin de la tête, hein, ces cons-là. Vous avez vu ça? Ils ont des flingues, j'ai pas de flingues. Pour aller par là, moi non, j'ai que dalle, putain, j'ai rien du tout, rien du tout, rien du tout. Donc il faut que je saute dans les dents, hein. Avec la meilleure des volontés, j'ai que ça à faire, hein, coco, hein. Putain, je meurs en sautant. Il va peut-être falloir que je change d'arme. Inventaire, fusil d'assaut. Sélectionner.
Nom de Dieu. Maintenant, ça va chauffer dur là-dedans, hein. Comme on se retrouve. Oh, putain. La dernière fois, tu m'as pris quelque chose. Cette fois, c'est pris la main la dernière fois, oui, effectivement. Il est trop tard pour négocier, Rice. Je compte repartir avec Jade ou avec la seule main qui te reste. À toi de voir. N'est pas en position d'exiger quoi que ce soit, Crane. Montre-moi d'abord ce que tu vaux. Allez-y. Move it, boys. Move it. Go, go, go. Putain, c'est quoi ce bordel là? Une grenade. Puis il est grossier ce monsieur là, faut que je vois ça dans le cul, il me dit. Il va se la mettre lui-même, hein, ça. Tu viens là? C'était dans ce coin. Qu'est-ce qui se passe? Où est passé ce type? Merde! J'aurais juré avoir vu un truc. Alors t'as pas mieux? Je vais limite commencer à m'emmerder.
j'ai pas vu ce qu'on a, il me tire d'où? Vous faites quoi là? Shootez-le! Aime ça! Putain, mais il me tire dessus, d'où ce qu'on a? Il y en a beaucoup là quand même, hein? Arrêtez-le avant qu'il fasse encore la balle! Je vois pas ce qu'on a. Putain, je les chercherai pas, ils sont où? Couillon de la lune, va. Allô, maman Bobo, il me fait mal ce qu'on a, hein? T'aimes ça? Non, non, j'aime pas les greux. Non, non, les deux. Il était temps. Grenade! Il est mort, il dit voir que la grenade, hein. Allez les gars. Mais quand même, il m'a fait mal ce qu'on a, hein. Il était temps. S'il a récupéré quelque chose. Ensuite. Je vais bien la chercher, il a dit monsieur. Bien la chercher, il m'a dit. Ok, on va monter vers là-bas. Alors il y a un endroit pour monter, mais où se tient cet endroit? Ok, d'accord, donc c'est pas par là. Par là encore moins. Plus. Donc il va falloir monter comme ça. Attends, ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça non plus. Il y a d'autres portes encore par là. Hein. Il y a une porte qui va terminer par s'ouvrir, non?
Alors, on cherche un peu. On va voir ça. Je rêve. Putain, t'es coriace ton coco, hein. Hey!
Elle va bientôt avoir de la visite. Vite, et alors Crane. Allez, Crane. Essaie encore. Retrouve-la avant qu'elle ne se fasse bouffer. Oh là 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 là, comment je vais là-bas moi maintenant? Comment je vais là-bas moi maintenant? Comment je vais là-bas? C'est pas possible ça. C'est la gueule si je saute là. Non, même pas. Oh la vache, non, ça va même pas là. Laissez-le-moi aller de quoi là. Allez. Putain, mais c'est pas possible ça. Par là? Non. Non, ok. Tiens, mais où elle est cette dénette là? Oh là là.
Ouais, mais non, encore, ils n'ont pas paquet, hein. Ça suffit pas. On fait autrement alors. Il faut qu'il sonne dedans, il faut qu'il sonne dedans maintenant. Deux balles dans la tête, il faut, pas une. Moi qui mange mon fut à 92. Bon, bah, c'est pas possible. Hein. Bon, chien, tu m'as arrêté de tourner en rond là. Jade! Oh non! Oh merde, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça va, Crane. Tahir m'a donné un coup sur le crâne avant de me laisser ici. Laisse-moi une minute et tout ira bien. Ça risque de ne pas être possible, Scorpion. En fait, ces quelques minutes de sursis, tu me les dois. Crane, grâce aux antennes que tu as réparées, j'ai pu écouter tout ce que vous disiez. Comment crois-tu que je t'ai trouvé, Jade? Ou ce bon docteur Camden? Comment crois-tu que j'ai coupé les liaisons entre les secteurs? C'est moi qui tire les ficelles. Et maintenant que j'ai les notes de Zéré, le CRE n'a pas d'autre choix que de m'obéir. Vous ne me servez définitivement plus à rien.